Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment jouer à Fall Guys en mode créatif, donc pouvoir faire des maps qui sont exclusives. Alors je tiens à préciser que vous pouvez pas jouer en ligne avec ça, donc c'est des maps tout seul pour faire des petits death runs, donc moi je trouve ça sympa. Et vous devez être obligatoirement sur ordinateur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors pour commencer vous allez rejoindre mon serveur Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à faire l'event Build Battle qui est en cours sur Minecraft. Bref, aucun rapport. Vous allez aller dans le salon Fall Guys créatif. Donc vous allez rejoindre le Discord de Fall Factory à ce lien. Vous allez cliquer sur ce lien .NET Microsoft. Donc c'est un petit logiciel que vous allez devoir installer, qui est obligatoire. Vous allez aller sur la version 6.0, cliquer, et .NET Runtime, vous sélectionnez votre version, donc en fonction de votre configuration. Par exemple, si vous êtes sur Mac, vous téléchargez celui-là, si vous êtes sur Windows, celui-là. Voilà, maintenant on va télécharger un fichier méga, Fall Factory Final Release. Vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc moi ça m'est enregistré parce que je l'avais déjà téléchargé avant, mais vous ça va vous mettre téléchargé et ça va faire un petit temps d'attente. Du coup moi je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et vous allez envoyer ce fichier vers un tout nouveau dossier que vous avez créé, donc moi je l'ai appelé Fall Factory. On va cliquer dessus, hop, WinRAR, donc vous devez télécharger WinRAR si jamais vous l'avez pas encore. Vous allez faire extraire vers Fall Factory Final Release, et là ça va vous demander un mot de passe, vous mettez Fall Factory tout en minuscule comme cela. Voilà, je vous laisse voir, vous faites OK. Et là, ça va extraire le fichier. Donc en fonction de votre ordinateur, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en général, c'est pas très long. Et là, du coup, vous allez avoir un dossier, donc vous pouvez enlever le .7zip. Hop, voilà. Vous allez ouvrir celui-là. Et là, vous avez plein de trucs en rapport avec le jeu. Vous allez cliquer sur fallfactory.exe, très important. Ne cliquez pas sur les autres choses. Et là, vous arrivez sur une version de Fall Guys modifiée, donc ils utilisent la saison 5. Donc c'est pour ça que les physiques sont un petit peu différentes d'aujourd'hui. Et là, du coup, vous pouvez cliquer sur Play. Vous pouvez rejoindre un petit peu n'importe quel niveau. Donc quand même, il y a des grandes pages qui vont vous permettre de jouer quand même à pas mal de niveaux. Et vous pouvez même créer vos propres niveaux avec l'onglet Make. Donc regardez, si je clique sur Make, par exemple, je peux ajouter des cases et tout. Donc c'est vraiment trop sympa. Donc ce niveau, c'est Medieval Madness. Si jamais vous voulez savoir, vous recherchez. Donc il ne faut pas toucher les cases rouges, sinon elles vont vous tuer. Et là, hop. Voilà, je passe là. Les cases qui brillent, c'est des checkpoints. Donc là, vous passez. Donc voilà, vous voyez quand même que c'est plutôt sympa, vous pouvez même faire des petits speedruns. Bon, moi je suis pas le plus fort en tout ce qui est speedrun, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.